Salut les cadavres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une petite évolution, elle n'est pas si petite que ça, hein, mais bon, une petite évolution de la table virtuelle. Je sais qu'à chaque fois je dis que là, franchement, je touche au but, je touche au but, mais je n'ai jamais autant touché au but que cette fois-ci, puisque je me suis occupé d'un truc qui était un petit peu le parent pauvre, parce que c'est une prestation qui n'a jamais été utilisée en jeu. Donc elle était un petit peu dormante dans un coin, je m'en étais jamais occupé. Et très honnêtement, elle avait plus que besoin de bénéficier des mises à jour qui s'étaient passées ailleurs pour être updatée et être fonctionnelle, qui est le système d'exploration. C'est un peu le gros point fort. Et en second lieu, j'ai une amélioration sur la gestion des indices, sur la gestion des PNJ par rapport à la fois d'avant. Donc tout ça se passe que du côté maître de jeu, hein. Et une amélioration de la gestion des tokens d'état sur les figurines dans le champ de bataille. Ce que j'avais été sympathique, hein, ça a fonctionné, mais ça méritait d'être un petit peu nettoyé, un petit peu optimisé, d'être moins, comment dire, invasif, on va dire, un peu plus logique, un peu plus cohérent. On va commencer par les plus simples. Les plus simples se trouvent au niveau de la gestion des PNJ. Voyez qu'en fait, la fenêtre qui s'ouvre en haut à droite me montre tous les PNJ que j'ai prévus pour le scénario en cours. Et le fait qu'ils soient... Alors, je vois leur nom, hein, je vois vaguement leur visage, mais je peine à le deviner. Et j'ai un petit bouton jour-nuit qui se trouve juste à côté. Et en fait... Les joueurs, eux, ne voient rien tant que les portraits sont noirs. Et à partir du moment où je veux qu'ils voient quelqu'un, j'ai qu'à cliquer sur le petit bouton jour-nuit, le portrait apparaît chez moi et chez eux. Voilà pour la première petite amélioration. La deuxième petite amélioration, elle est ici, c'est la fenêtre des indices visuels que je vais montrer à mes joueurs. Et vous voyez qu'en fait, moi, sur le côté de la fenêtre, j'ai, tout comme pour les PNJ, j'ai l'intégralité des indices qui sont dans le répertoire indices, et qui sont soit visibles, soit pas visibles. Et j'ai un petit bouton, avec une petite différence par rapport aux PNJ, qui est que si je veux afficher par exemple l'indice qui est ici en bas, je clique dessus, il va remplacer l'indice du haut, c'est-à-dire que je ne peux pas afficher deux indices en même temps. C'est dès que je clique sur un, celui d'avant disparaît. Et si je veux qu'il n'y ait pas d'indice visible, j'ai qu'à simplement cliquer sur l'indice qui est actuellement vu, et il finit par devenir noir et par disparaître. Voilà pour les deux changements qui sont clairement cosmétiques. Maintenant, en termes d'amélioration un peu plus dense, le système d'exploration. Voilà le système d'exploration nouveau. Vous remarquez que à peu près tout se passe sur la droite, hein. Côté maître de jeu, vous allez voir que je dispose moi sur le côté, alors des tokens des joueurs. Tout en bas, il y a un token de groupe. Bah oui, c'est pas con, hein. Il faut que si mes trois joueurs se déplacent ensemble, ça va être bien plus rapide de déplacer un token qui m'indique où seront les trois joueurs que de déplacer les trois tokens un par un. Donc il y a un token groupe. Il y a un token marqueur. Voilà, simplement pour indiquer un point précis sur la carte. Sachant que ce token marqueur, il a la particularité de pouvoir être manié par les joueurs. C'est-à-dire que les joueurs chez eux peuvent déplacer le token pour me dire ici, là, pointer un endroit précis sur la carte en fait. Et inversement, les joueurs ne déplacent pas leur propre token. C'est moi qui les déplace en fonction de leurs indications. Pour rappel, la fonction exploration, c'est pas un espace de jeu, c'est un espace illustratif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cases, il n'y a pas de distance, ça ne sert pas à faire des combats. Ça sert à poser un environnement, une carte sommaire, et le déplacement des personnages, les distances, tout se fait en roleplay, et je déplace les tokens illustrant le déplacement sur la carte. C'est d'ailleurs à cet objectif que j'ai tous ces petits tokens ici. Vous voyez qu'ils ont des looks un petit peu symboliques, hein. Il y a un homme, il y a un arc, il y a un trésor, il y a un chapeau, il y a une épée, bref, il y a une couronne, il y a plein de trucs.
ça va me permettre de placer sur la carte d'exploration des tokens symboliques pour se souvenir que ici il y a un truc comme ceci, ici il y a un truc comme cela, etc. Encore une fois, c'est pas fait pour être 100% illustratif. Typiquement, il y a un token, ça ressemble à un chapeau, alors presque un chapeau de magicien, on va dire. Hein. Mais je peux l'utiliser pour n'importe quoi. Hein. C'est comme au Monopoly, hein. C'est pas parce que vous jouez avec le soulier que vous êtes un soulier. C'est juste pour marquer précisément des endroits sur une carte. Et juste à côté de tous ces tokens illustratifs, j'ai une petite loupe qui me permet de déplacer la carte directement là où se trouve le token, afin d'éviter que moi j'ai à chercher où est-ce que je l'ai foutu, parce que je vous rappelle que les cartes d'exploration peuvent être très grandes. C'est-à-dire que le token peut parfaitement se trouver dans un endroit de la carte super éloigné, et plutôt que de perdre du temps à savoir, merde, est-ce qu'il est en haut, est-ce qu'il est en bas, est-ce qu'il est à droite, c'est plus intéressant d'appuyer sur un bouton et de s'y retrouver directement. Côté joueur, ben, il n'y a pas grande différence au final, hein. La seule différence pour eux, c'est que 1, ils n'ont plus leur token à déplacer, que 2, sur le côté, ils ont le petit symbole de la flèche dorée pour faire apparaître le marqueur et pouvoir indiquer un point sur la carte. Ils n'ont pas à me demander à moi de faire apparaître le marqueur, ils peuvent eux-mêmes choisir de le faire apparaître ou de l'enlever. Et c'est à peu près tout. Voilà. Tout d'abord, sur l'interface maître de jeu, vous pouvez voir sur la droite que à côté des portraits de chaque joueur et de chaque PNJ monstre, j'ai beaucoup plus de petits dessins et accessoirement ils sont plus jolis qu'avant. Voilà, je les ai un peu, on va dire, uniformisés physiquement. C'est des petits boutons pour faire apparaître des états sur les tokens. Typiquement, si je prends le joueur 2, le joueur 1 plutôt, ouais. Voilà mon joueur 1. Vous pouvez voir que mon joueur 1, quand je le déplace, il se déplace avec deux cases. Il a deux petites cases en bas qui sont là en permanence. La case qui est à gauche, qui représente un cœur, indique l'état de ses points de vie. Et la case qui est à droite, qui est un cercle, indique l'état de sa réserve de mana pour lancer des sorts. Notre joueur 1, n'ayant pas de mana, bah, la case qui indique le montant de mana, bah, elle est complètement vide. Par contre, si je vais chercher mon joueur 2, voilà, mon joueur 2, lui, il lance des sorts, du coup, sa case de mana, bah, elle est pleine. Et plus il va lancer de sorts, plus la case va descendre. Alors attention, hein, ça, c'est pas un indicateur précis au point de mana près. Les états sont full, la case est pleine, à moitié, donc moitié point de vie ou moitié mana, et le cœur apparaît à moitié plein et la bulle apparaît à moitié bleue. Vide, la case est entièrement noire, donc le cœur est noir et le cercle est noir. Et il y a un état supplémentaire pour la vie, qui est bah, la mort, où le cœur est remplacé par un petit crâne. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ces deux petits indicateurs. Dans le système de jeu qu'on a mis en place, les personnages peuvent choisir de se mettre en position défensive, en fait. Et ils ont eux-mêmes sur leur feuille de personnage un bouton pour activer cette position défensive. Moi-même, depuis mon interface, je peux l'activer à leur place, on ne sait jamais... ils oublient, allez savoir quoi, j'ai besoin de les forcer à l'activer par exemple, donc je peux moi cliquer sur le petit bouclier, ici, et je fais apparaître au milieu une petite case avec un bouclier qui indique leur état de garde. Donc je me retrouvais avec ces trois effets là, et j'avais un souci parce que vu que je peux représenter des états, je suis vachement tenté d'en représenter un maximum, pour que ça soit agréable, plaisant, pratique, etc. Et pour autant, je voulais pas que le personnage se transforme en voiture de course sponsorisée par 2000 marques avec plein de petits boutons partout autour. Donc j'ai trouvé une petite solution qui est de superposer les tokens. Ça veut dire en mettre derrière ceux-là, qui sont plus grands et qui sont animés.
Et le but, c'est qu'il dépasse un petit peu pour faire un effet visuel sympathique. Par exemple, j'ai mis en place l'état enflammé. Si un personnage est enflammé, alors parce qu'il s'est pris un sort, parce qu'il a traversé un feu, enfin bref, il est enflammé et donc il va prendre des points de dégâts à chaque tour de jeu tant qu'il n'éteint pas le feu. Voilà ce que je fais. La petite case qui sert au mana, en fait, derrière, il y a un effet de feu animé. Et comme c'est derrière, ben on a l'impression que la case brûle. Si je l'active sur le joueur 2, voilà, c'est tout pareil. Ça fait une petite case qui brûle. J'ai mis l'état... Alors, j'ai appelé ça maudit, en gros. C'est pour aider à se rappeler que le joueur a un effet négatif sur lui. Quel que soit l'effet négatif. Je ne peux pas couvrir tous les effets négatifs possibles. Sinon, il me faudrait une espèce de liste de boutons à activer longue comme un jour sans pain, et je perdrais mon temps à essayer de retrouver où il faut que je clique, où il faut que j'enlève. Et puis surtout, si le mec il a deux effets négatifs, il faudrait que je trouve deux endroits pour faire apparaître les deux effets visuels. Donc c'est juste un effet générique pour me rappeler à moi maître de jeu et à lui joueur qu'il y a un truc négatif sur lui. Et le fait d'avoir ça, normalement la mémoire prend le relais pour nous rappeler qu'est-ce qui s'est passé le tour d'avant. Et ça produit ceci. Une espèce de petite flamme au-dessus du cœur, mais de nature pas vraiment naturelle. De nature pas naturelle, c'est très joliment dit. Voilà, vous voyez que ça prend pas plus de place qu'avant. Le fait que c'est animé, ça fait qu'on le remarque un petit peu, et qu'on remarque son absence aussi. Hop, alors je vais pas te faire disparaître, je vais t'enlever. Voilà. On les enlève. Voilà les deux états supplémentaires que j'ai ajoutés. Le troisième état, c'est hors combat. Hors combat, ça veut dire assommé, incapable d'agir, endormi, enfin voilà. C'est... En gros, c'est le côté tu passes ton tour pour une raison ou pour une autre. Et c'est la petite étoile qui est là. La petite étoile qui est là, voilà ce qu'elle fait. Elle fait apparaître des petites étoiles autour de la tête du personnage, indiquant qu'il est sonné. C'est un peu ça l'idée, quoi. C'est un côté un petit peu cartoon, enfin on comprend très vite ce qui se passe, hein, et le joueur est dans les vapes et ne peut pas agir. Je vous avais montré la fois d'avant le côté aura, qui est toujours là, hein, le côté bulle de protection, qui est toujours présent. Et le dernier petit icône, c'est une loupe, ben, c'est la même loupe que pour l'exploration, c'est-à-dire que si je clique sur la loupe, on m'envoie immédiatement où se trouve le token en question. Ça se décline, ça se décline pas vraiment pour les monstres, dans le sens où les joueurs n'ont pas à savoir quel est l'état du pool de mana de leurs adversaires. La vie, ils peuvent le savoir parce que visuellement, ils peuvent voir si une personne est blessée ou pas. Donc il y a le petit cœur, mais dans la petite case qui était réservée au mana, en fait, il y a le numéro de l'adversaire. Si je mets trois archers et que les trois archers ont la même gueule, c'est important que le joueur puisse me dire ben, je frappe sur l'archer 2 ou sur l'archer 3. Donc du coup, c'est une petite case qui est réservée au numéro d'adversaire ou au numéro de PNJ. Et sinon, mis à part ça, les effets sont absolument les mêmes. Les petites étoiles, la petite flamme, enfin voilà, tout est rigoureusement identique. Si je regarde au niveau du champ de bataille, voilà ce que le joueur, lui, y voit. Alors, en apparence, c'est tout comme avant. Par contre, quand il met sa souris sur un adversaire, voilà ce qui se passe. Avant, il y avait un encart qui recouvrait la figurine et qui indiquait les dégâts qu'elle avait subis et sa caractéristique de défense. Mais plutôt que de mettre l'encart qui recouvre la figurine, maintenant, quand il met la souris sur une des figurines du champ de bataille, il obtient la valeur de défense et les points de dégâts subis, mais dans deux petits trucs qui apparaissent un petit peu à gauche et un petit peu à droite. Ce qui est un peu plus léger, on va dire, et un peu plus agréable. Le simple fait de ne pas perdre de vue la figurine est franchement un petit plus. Et ça ne marche que sur les adversaires. Si on met le curseur sur un autre joueur, il se passe absolument rien. Voilà. J'enlève ma garde depuis l'interface joueur.
Pas plus, pas mieux. Voilà les cadavres. C'est... On est quoi? On est en V3.5. Doit être ça l'idée, quoi. Hein, je pense pas qu'il y aura de V4, parce que techniquement, je vais pas tout chambouler. Ça m'étonnerait. C'est trop bien, trop efficace, et ça tient trop en place. Ça ne sera que des petites améliorations tranquilloutes, à mesure que j'aurai des bonnes idées et qu'elles seront facilement réalisables. Allez les cadavres, bon jeu à vous, que vous jouiez. Salut!